Ou un tournoi quand même assez stack, hein, quand même. Genre, il y a. Après, ben... que je me suis fait éliminer en Winner Loser, je me dis que c'était assez stack. Ben, on a Manon, on a Fleur, on a Grey, on a Alex, on a. Pas mal de régions en fait. Hein. Ben oui, à part, on a de tout. À part Montpellier, ouais. qu'on a pas eu tous les tops, malheureusement. Il y a ta Wall pour Montpellier, mais. Il y a quelques joueurs du coin, mais. Tous les meilleurs Marseillais sont là, les gros Toulousains sont là. Les Niçois sont là, quelques Parisiens sont là. Des Strasbourgeois sont là. Il y a vraiment toute la France, petit tournoi de 48 joueurs. Et ouais, tout ça réuni sur Marseille. Open Mirabeau, je rappelle qu'on est au Galaxy Geek Well Smash. Si vous êtes dans le coin d'ailleurs, je vous invite à y aller régulièrement. C'est vraiment un truc super chouette qui nous accueille, qui fait des tarifs super cool, qui propose des fêtes. On peut faire son anniversaire, on peut faire des soirées jeux. Ils ont beaucoup de matériel, des belles choses à tester. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. Et encore merci à eux de nous accueillir pour ce tournoi. Et pendant qu'on présentait ça, déjà un stock perdu du côté de Mana. Ouais. Je sais pas de quelle façon a-t-il kill, du coup, je vais pas regarder. Je crois que c'était un backer, je suis pas sûr non plus, je fais pas attention. Hein. Et le backer qui passe, qui retient le stock. Backer sur backer, hein. Ah, super. Vraiment, on a réussi, gars. Ah, là. Ça continue. Hop, donne trop sur faire, je pense. Ah non, le nerf. Le nerf sweet spot en plus, très bien joué, je connaissais pas. Hop. Un match beaucoup plus actif que le précédent. Hein. Ouais, c'est vrai. Il y a l'axe sur les deux côtés. De toute façon, Dracofeu, il a pas vraiment. Ouais, voilà. Le seul peut partir plus. Après, tu dis que c'est un perso qui peut jouer vite ou lentement. Hein. C'est vraiment au choix du joueur, au choix du match-up aussi. Et voilà, vous avez vu là, il peut pas de contre-est. Ils sont tellement proches à cette fois que je suis dans les roches de. Après c'est plus rapide parce que moi encore Nico il doit s'éloigner un peu pour prendre la banane, là Dracofeu il a rien à prendre du tout, il va foncer et puis tout caler quoi. Oh là là, ça aurait pu être très beau si le backer aurait touché la Dracofeu parce que ça avait pris l'éclat rock en fait sur la bande et là ça aurait connecté avec le backer, ça aurait été tout stylé. Yeah, vas-y encore grand du ça. Ah oui, tu as pas été. Ah, on a plus grand écran. Après, on pourrait trouver autre chose. Allez hop, le grab puni par l'up smash, très bien joué de la part de Faye. C'est quoi? Ah oui, il y a toujours Pac-Man en fait en haut là sur les. Mais c'est Pac-Man de feu. Ouais, c'est pas le même Pac-Man. Hein. Il est orange, il est. En soi, les deux ne sont pas des dragons. C'est vrai. Rappel. Ah, il est pas type dragon, c'est le petit dragon feu. Il faut le dégager. Sur la strong, frère, voilà. Après, là, tu passes pas. Oh là là, ça a voulu faire un pair ou un pair. C'est un bon perso pour casser les couilles à tout ce qu'on habituel. Je pense pas que ça aurait pu tuer là. Après, il aurait pu prendre. Non, je pense qu'il va attendre 70. Ah, le père, il aurait tué, ça suffit, la bombe. Ah, je pensais qu'il a... Il a un petit peu froid dans la manipona. Je pense qu'il voulait faire un pivot grab. Voilà, un pivot grab, le wall derrière. Back pro, pardon. Back pro, c'est la deuxième meilleure du jeu, si je ne fais pas de bêtises. Ouais, après NES, je pense sûrement. Après NES, c'est plus ou moins stack avec Villageois. Oh, le pivot grab, il passe trop bien de Fire. Ouh, le père. Oh, ça prend le stock, ça prend la stock. Et du coup, la première game. Ouais, mais ça fait le petit smash. Une petite tente indirecte, je pense. Peut-être juste pour mettre la petite pause à la fin. Oh my god! Ah, ça a changé sur Corinne, j'ai entendu. Ouais. C'est un perso que je joue maintenant, Mana, avec Corinne. Mmh. Bah, depuis la sortie du DLC, plus ou moins, je crois. Avant, il bossait Mars. Ah ouais? Coup de boule version Zidane, tout à fait. Le noir qu'il a pris. J'y vais tout. Non, c'est Corinne noir. Non, mais il a trois coups de noir. Ah, mais écoute, les copeaux shiny. Les counters de couleur aussi qui sont présentes. Et rien des volets qui travaillent bien, qui met à jour le personnage en haut. Quel professionnalisme de Smash One Soul. Exactement. Il manque plus qu'à faire des qualités. Il
manque plus qu'à faire des bons raquettes et on est bon. Hop, dernier. Ouh, il a pris dernier hit du truc là, c'est trop chelou. Ah bah ouais, les petits rochers, hein, tu fais attention, hein. Les 4 rocks, ça rigole pas. Hein. J'adore cette musique, ça colle très bon bien à cette map. Je crois que j'avais mis la même quand j'avais modé la mienne. Oh, moi, tellement thème. Je l'ai pas encore modé. Oh, oh, oh my god, c'est vu. Le side B qui envoie au stage et là, suivi par le der qui spike. Oh le fusil qu'il a eu. Bon, tiens, il a coulé au cul là, attendu. Je pense qu'il avait compris, tu vois, que Manal a essayé de recover l'eau. Mais pas cette fois. Dieu. Ça va pas passer, ça va qu'elle a mort avec les 4 trucs là. Ouais, pas de barrière. Le père qui passe et qui revient pour les stocks de fire. Hop, ce serait bien joué. Le père de Corinne, hein, faut pas le sous-estimer, hein, ça va faire extrêmement fort et c'est une grande force en plus. Hein. Hop. C'était un peu l'astro, ça se fait fou ce donner. Hein. Attention, le donner de Twain, c'est. Ça vous le cœur très mal qui peut arriver vite. Oh là, il va rusher à nouveau. Mais qui est vraiment très très punissable si on le place mal. Si il est bloqué, faut pas en abuser. Faut pas en abuser. C'est comme, bah, un peu comme fait tout, hein, pour vous. C'est des coups qu'il faut éviter d'abuser. Surtout qu'en plus, avec le donner de Twain, tu peux suivre sur un set. Ouais. Repère. Classique. Ce backer au milieu d'une neutral game qui retire la stock, dernier stock du jeu pour Mana. Ouais, le backer va couper, hein, ça surprend à chaque fois, mais quand il est sous pote, hein, tu prends la petite flamme au bout et tu meurs un pourcentage extrêmement faible. Et là, je veux dire qu'après tu oublieras pas. Hein. Faut stresser. C'est bien, c'est qu'on a joué vraiment toutes les villes dans ce top 8. Et Marseille, je pense que c'est par contre. C'est pas Nice, je crois que c'est Marseille dans le top 8. Je dis pas que c'est Nice. Mais à part Nice, tous les Marseillais, tous les gars. Et avant le top 8, tu regardes Franck Volia. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Après, ça, c'est. Je regrette pas. J'étais au 2-0 sûrement. L'astro qui passe pas, il tente le smash. Oh, oh, j'en ai marre derrière, il se fait chipper. Dernier stock pour Charizard. En plus c'était le F-Smash, tu vois, ça a poussé Corinne pile là où il faut pour que le F-Smash Tipper il passe. Voilà le up B et la bonne ça, GI. Ça pas grand chose, bonne GI, moi on était là. L'astro peut-être là. Non, il se trouve sur le côté. C'est parfait mon loin. Oh, un gros groupe. L'astro, notre allié qui passe pour se baisser. Petit bout de feu, ouais. Oh, eh ben non, c'est le up smash. Hein. Et le up smash 2-0 pour Fire. Mana vraiment difficulté. Hein. J'ai besoin de dès qu'il se croise, Fire, ça prend vraiment l'avantage. Vraiment l'avantage. Alors qu'on pourrait croire que Corinne tout le link, on pourrait croire, oui, tant qu'au feu, il a pas le match-up, hein, parce que ça se fait juggle, tout ça, mais, les projectiles. Fire a le match-up sur Mana, par contre. Ah, ouais, bah là, c'est tout ça. Et pendant que Voliam nous permet de partager sa manche de t-shirt devant la caméra, ouais. Profiter de ses pixels de couleur, de la beauté du geste, regardez le beau bras qui passe, dans la dextérité, la technique, merci Volia. Là c'est Yata qui coach. On a les coachs qui coachent. Et puis là qui vient par la Fire aussi. Fais lui un massage. Ouais, allez aussi, SNL ouais. Fire. Est-ce que Mana va essayer de faire comme Nice, de remonter sur le match? Ah, c'est possible, hein. Maintenant qu'il se fait coacher, maintenant il connaît les tips. Il connaît les tips. Même si je vois pas trop ce qu'ils ont pu lui apporter, parce que Mana a pas fait tellement d'erreurs, c'est que Fire a vraiment un suivi extraordinaire sur le jeu. Ouais. Et après, est-ce qu'ils connaissent vraiment beaucoup le matchup Draco Feu? Yata, pour le coup, connaît, parce qu'il joue beaucoup avec Cass. Mm-hmm. Il y a le Draco Feu de Montpellier. D'accord. Cass connaît beaucoup Fire d'ailleurs au passage, je crois que c'est bon. Bah je pense qu'on ils sont tous les deux mecs dans le jeu. Donc je pense qu'il y en a peut-être apporter quelques explications techniques sur le match-up. Après, maintenant je reconnais la force de croiser Fire aussi. Oh non! Oh, là, oh là. Non! Oh bah là! Alors, il a fait l'espèce de dash attack derrière Fer! Dash attack Fer et là, ça et derrière... a attendu Donner. 7 secondes, le premier stock 0, tu descends! Alors il y a jeu 5 qui demande où il est Volia. Thank you.
Bambouzlet. Au donner. Chante. Chante. Mais gardez-le sur Twitch Live et en fait un Twitch Live de 30 secondes. Faites quelque chose. Son bleu c'était genre vraiment dès le début en moins de 10 secondes. Oui, genre il est venu, il a fait une tâche à faire. Bam mort. Il a même pas eu le temps de respirer, Mana, que ça se voit qu'elle était déjà perdue quoi. Mana, il va faire le devoir, j'y reste pas du match avec un stock de retard de pack. Et on a deux stocks de retard même. Tu es pas là. Fire qui est complètement en train. Fire qui est en train de doute play. Merci Black Sushi pour l'enregistrement. Fire qui est en train de doute play. Outplayed. Je suis français. Je suis frissé, je parle en français. Potentiel 3 stocks hein, en plus sur ce dernier match. Après, est-ce que c'est le script, tu vois, et que Mana il revient? Tout le monde a fait son petit clip. Merci à tous ceux qui ont fait des petits clips, c'est sympa. On va prendre je ne sais pas lequel, on va en poster. Vous pouvez le retrouver sur Twitter de Smash on Sud, @SmashOnSud. Vous retrouverez le lien. De l'action, et sûrement partagez aussi sur Facebook, je pense que vous voyez le faire. Sur les réseaux sociaux, mais suivez le Twitter de Smash on Sud, vous aurez accès au replay si vous souhaitez le voir. Alors là, Mana, je sais pas comment il va faire. Il a pris tellement cher sur 7, c'est passé tellement vite. Il va falloir qu'il fasse. Et il retient un stock. Je pense qu'il va devoir spacer un fou, mais là, avec un coup de feu, avec assez rapide, il y a beaucoup de portes ça. C'est oublié. T'inquiète. Mais qui se monte, c'est tellement l'obstrop d'être. Non, de toute façon. Non, ça suffira pas encore. Si vous faites derrière, non. Ça vous le faire. Et ça prend le upper. Ah, et c'est fini 3-0 pour Fire. Allez, vous Est-ce que tu peux nous mettre peut-être le replay sur le stream de la chaîne Fire? Ouais, c'est pas une mauvaise idée ça. Je pense que ça serait bien de l'analyser, de voir ce qui s'est passé. Si tu peux. Ah, tu m'arrêtes d'un peu. C'est long, t'es pas chiant. On va essayer de vous mettre le replay de ce qui s'est passé. Alors, si on trouve. Si on y arrive, on fait ça vite, hein. On n'avait pas préparé ça. Mais je pense que ça vaut le coup de l'afficher. Sinon, je mets le bureau directement. Ouais. On essaye du coup de vous mettre le replay, je vous promets pas qu'on l'aura parce qu'on a un petit souci technique. Nous capture le bureau, c'est pas chier. On apprend petit à petit à servir du OBS Studio. Ouais. Non mais tu gères juste, tu le prépares à l'avance. Ouais. Hugo. Comment? Ok, on va voir Yata, Nice, second car loser. Ouais. Mario. Il y a Yata qui fait une bonne perf aujourd'hui, hein, qui a réussi à pas mal d'upset, il a battu Purga, il a battu de nombreux joueurs. Et là, il se place dans le top 6. Alors, on va revoir l'action. Ouais. Je vous invite à le regarder. Alors du coup, bon, le match commence. Hein, pour nous, hein, c'est en 7 secondes. Dash attack qui va passer. Seconde dash attack, le fer, derrière le subi, et le kill. 7 secondes, comment tuer avec Draco feu. Simple, rapide, efficace. Efficace. Là, il a juste expliqué à Mana, le public redemande l'action. Ils veulent revoir. Ils veulent revoir, mais je sais pas s'ils voulaient la garder en côté. Ah mais tiens, pas mal. Attention. Hop, regarde Fire. Ça tend, boum, donner. Excellent. Non. Lui qui arrête pas de le demander. Là, vous voyez pas, mais là on met sur grand écran le replay de la vidéo. Y'a ta mise en premier, s'il te plaît. Regardez. Hop, derrière, ouais, ça attend. Regarde son challenge. C'est incroyable.